Et bonjour à tous et à tous, c'est Chou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur F1 2016 sur PC. J'espère que la première vidéo vous a plu malgré le petit accident qu'on a eu en pleine course. Et ouais, je sais pas pourquoi on est rentré deux fois au stand en deux tours. Il m'avait pas changé mes pneus alors que la pluie arrivait. Je sais pas si c'était à moi qui devais faire les réglages en temps réel sur ma voiture, si je devais changer les pneus comme ça. Bon, c'est pas très grave, je verrai dans les commentaires ce que vous me dites, mais pour cette nouvelle vidéo, j'ai mis les qualifications courtes, pas qu'un seul tour mais courtes, je crois que c'est 3 tours, et la course 5 tours. Donc du coup, on ne devrait pas avoir de soucis pour les stands, mais on verra ça par la suite si on revient à 15 tours. Mais là, pour l'instant, je ne veux pas faire des vidéos trop longues, donc c'est parti pour l'épisode numéro 2. Let's go! Allez, ordinateur portable, bien sûr je suis en retard sur mon rival Jenson Button, il a fait les 13e de la course, moi j'ai abandonné donc c'est pas la joie mais bon c'est pas très grave. On n'a pas dit notre dernier mot, moi je vais faire les essais libres et on se retrouve juste après pour les qualifications, let's go. Les voitures sont prêtes, les pilotes sont prêts. Nous espérons que vous l'êtes aussi, car ça va commencer ici, à Bahreïn. Quand on cherche le chrono, on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites? Les écuries sont très certainement arrivées avec tout l'équipement nécessaire pour profiter de ces longues lignes droites. Les virages seront plus difficiles à négocier, mais tout le monde sera dans le même bateau. Bon, nous voilà de retour, nous sommes à Bahreïn, la météo avait l'air couverte, là, ça me fait chier ça, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas grave, le temps, alors ça c'est mon temps, l'aperçu, temps sec et c'est nuageux, donc ça va, bon, c'est correct, on est paré pour la session les amis, alors aperçu, ok, hop, si je quitte là, on est bon, on prend la piste, c'est parti pour les qualifications. J'ai toujours fini dans le top 5 lors des 3 premières manches des essais libres. J'aime beaucoup ce circuit, il est assez rapide. C'est parti. Une fois que la voiture a quitté les stands, seul l'aileron avant et le niveau de carburant peuvent être ajustés pendant le reste des qualifications. Allez, c'est parti. Toujours caméra embarquée avec la GoPro sur mon torse. Comme ça, vous voyez bien le volant, les mouvements, tout ça. Bon. J'espère que ça donne pas trop la gerbe, mais voilà, j'ai trouvé ça sympathique lors de mes essais, donc on continue comme ça, c'est parti. On y va, il faut assurer cette fois-ci. Allez. On va se concentrer. Allez, c'est bon, on y va. On va essayer d'assurer. Super ligne droite là. Gros freinage. Voilà. Allez, on y va. Ah, je suis chaud là. Je suis chaud. On va essayer de se rattraper de la première course. J'ai pris large, mais bon, c'est pas grave. Pas bon, ça, c'est pas bon. Super ligne droite. Voilà, non, on peut accélérer un peu plus vite. Ne pas se retrouver ce bac à sable. Je suis un peu à la limite de la rupture là. Hamilton de meilleur tour, 1:38. Ah,
pas mal. Alors, je suis combien? Deuxième pour l'instant. Attention, les voitures qui sortent. Des stands. Ouf. Pousse-toi. Je suis chaud là. Ok. On est derrière mon coéquipier à fond là. Bon, le temps reste sec, c'est bien. Allez à fond. Attention à ce virage. Je suis trop freiné. Mais bon, ça va, ça passe. Bon, on est devant Jensen pour l'instant. À fond, à fond, à fond, à fond. On commence à freiner. Ouais, c'est bien les amis. Ça, c'est parfait. Allez. Oui, meilleur tour. On est premier. C'est bien. On donne tout le, on donne le paquet là. Ce serait bien une pole position. Alors mon gars, tu vas me laisser passer s'il te plaît. Je suis obligé de passer à droite. Ouais, c'est bien là. C'est chaud. Ouais, ouais, c'est pas grave, je finis le tour là. Après, on arrêtera les qualifs là, on passera la course. Ouais, c'est cool, les amis, on est pas trop mal là. Franchement, on est pas trop trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je suis obligé de décélérer un petit peu. Qu'est-ce qu'il est bien ce volant. Allez. Gros freinage. Et à fond, dernière ligne droite. J'améliorerai pas mon temps, je pense, mais. Pas du tout. Si, si, j'ai amélioré, je crois. On va faire option. On va abandonner la session. Voyons voir un peu combien on va terminer. Premier! Qualification, les amis, premier! Première pole position. C'est génial! Yes! Première pole position dès la deuxième course, les amis. Ça fait plaisir. Bon, franchement, là, c'est parfait. J'espère que la caméra embarquée vous a plu. Maintenant, on se donne rendez-vous pour la course. Et la course, c'est pas 15 tours maintenant, mais c'est 5 tours. Voilà, dites-moi si vous préférez 15 tours ou 5 tours. On verra ça par la suite, mais aujourd'hui, c'est 5 tours pour cette seconde vidéo. C'est parti! Se lève une fois encore sur le désert de Sakhir alors que les pilotes prennent place pour le premier acte. Nous captiveront-ils comme en 2014 lors du combat titanesque opposant Nico Rosberg à Lewis Hamilton? Nous le saurons bientôt ici à Bahreïn. La Formule 1 revient dans le désert aujourd'hui sur ce circuit exceptionnel de 5,4 km. Les 15 virages offrent autant d'occasions de doubler et c'est sans compter les deux zones de DRS.
Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes risquent de gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Nicolas Martin, Bahreïn nous a souvent prouvé par le passé qu'une bonne stratégie ne suffit pas. Il faut également de bonnes qualités techniques et une bonne régularité. Et aussi un peu de chance, je dirais. C'est l'un des circuits où la voiture de sécurité semble toujours sortir au bon moment pour regrouper le peloton et mélanger des pilotes aux stratégies différentes. Il est très exigeant pour les freins et le carburant, et le principal point de dépassement est dans le virage 1, où il est très facile de battre l'adversaire au freinage et de faire un peu de touche-touche. Tu t'en es bien sorti pour décrocher la poule, mais on a encore du boulot. Essaie de protéger l'intérieur dès le départ. Nous allons à présent étudier la grille de départ. McLaren part en pole position, et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Rosberg, Verstappen, Daniel Ricciardo et Sainz. Grosjean, Massa, Bottas et Jenson Button. Vettel, Hülkenberg, Kimi Raikkonen et Perez. Kvyat, Gutiérrez, Julian Palmer et Rio Arianto. Nasser et Wehrlein, Kevin Magnussen et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. Bon les amis, on va rester concentrés. Il faut protéger l'intérieur, il a dit. Je me méfie de la McLaren à côté. Est-ce que je peux le voir là, de là? Je peux pas tourner la tête, mais bon, c'est pas très grave. On est en pole position. 5 tours. Il faut assurer. C'est parti. Ah! Aïe, aïe, les amis! J'ai une pénalité. J'ai volé le départ. C'est pas grave, on fonce, on verra bien. Tant pis, j'aurai une pénalité, je finirai pas premier, c'est sûr. En 5 tours, ça va être tendu. Va falloir mettre le paquet. Oh, fait chier. J'étais tellement concentré sur mon départ. Tant pis, ça prend le départ, vous avez vu. Il faut rester appuyé sur la gâchette du volant, accélérer et bien relâcher au bon moment pour faire un bon départ. Mais voilà quoi. Là, j'ai fait une petite boulette. C'est pas grave. J'assume. On fera toutes les boulettes s'il faut, mais c'est pas grave. C'est quand même de faire une belle place sur la course. Allez, en tout cas, on fonce. Je leur ai mis un trou, les pauvres. Comme j'ai grillé le feu. Là, on peut pas dire que c'est de peu. Hein. Je l'ai fracassé le départ. Hein. C'est pas grave. Le feu vert il était un peu long à se mettre en place. Dès qu'il est arrivé à l'avant-dernier, j'ai lâché moi parce que je pensais qu'il faut que j'aille au stand dans les prochains tours. Ok, dans les 3 prochains tours. Bon, c'est pas très grave. C'est les choses qui arrivent. Allez, on va au stand. Fait chier. Il va falloir tout donner pour remonter. Voilà, si je finis dans le top 10, c'est un miracle. Allez. Allez, c'est pas fini. Je suis derrière le peloton. On fonce. Voilà, allez, pas d'erreur en voulant tout rattraper, tu sens le train, tu vas le rattraper au fur et à mesure, et se bouchonne un petit peu, du moins si je fais des erreurs comme ça, ça peut le faire. Allez, fonce. Au moins finir devant mon coéquipier quoi. Ça bombarde quand même. C'est bon, on revient sur Magnussen.
Un double. C'est bon, c'est bon. Allez. Il faut rester concentré. Il faut assumer ses erreurs de débutant. Excusez-moi. T'énerve pas mon pilote, c'est la première. J'ai des dégâts légers, faire gaffe. Je souhaite continuer, je change rien moi. Oula. Je vois qu'elle bouge un petit peu. Putain, il est bien serré. Je me ramasse un peu. Voilà. Tout en direct. J'ai tellement stressé de remonter là. On reste concentré quand même. C'est pas trop mal ce dépassement. On est 16ème. On se souviendra de ma deuxième course. Bon, la première, on s'en souviendra pour l'accident, mais bon, c'est pas très grave. On se souviendra bien de ma seconde course pour le fail du départ. Bon, on le saura pour la prochaine course. 3 secondes de retard sur mon coéquipier. Il doit être dans le peloton juste devant là. Le petit peloton là. Allez, avant-dernier tour, faut tout donner. Alors, on va essayer de revenir sur Gutiérrez déjà. Oh là, pas de bêtises. Il y a un sacré peloton là. Pas mal ça. Button il y a. Allez, accélération, allez, accélération. Allez, je reviens sur mon coéquipier. C'est mon rival. Pas de bêtises. Moi je passe par contre. Hülkenberg, tu me laisses passer, oui. Ça passe pas, si ça passe. Oh là là, oh là là. C'est chaud. Ça passe, ça passe. Oh là là. Oh la bataille, les amis. C'est bon. Je suis devant mon coéquipier. Faut que je me fasse Hülkenberg là. Ouais, c'est bon. J'ai pu le dépasser. Super dépassement là. C'est chaud. Tellement que j'ai tiré sur le volant, j'ai bougé mon siège pendant la course. Allez, ça va bien de faire dixième au moins. Au moins marquer un point. J'ai Perez et Massa là. C'est trop tard. Ah, j'étais bien revenu dans leur sillage là. Hamilton a gagné la course.
Bon, on fera 12e. On a limité la casse, on est quand même revenu sur la fin. Et quel dommage que j'ai volé le départ comme ça, quoi. Je l'ai vraiment bien volé. Vraiment énormément volé, même. Mais bon, c'est pas très grave, on a fini 12e. On n'est pas loin des points. On a battu notre coéquipier. C'est pas totalement mauvais pour le week-end en tout cas. Hamilton gagne. Je pense qu'il revient sur Vettel au classement général. Je sais pas ce qu'il a fait Vettel. On va voir un peu le classement là. L'immersion est totale quand même dans ce jeu au volant. C'est génial. Ça va, j'ai pas fait une mauvaise course. On a failli frôler l'accident une ou deux fois, mais on s'en est bien sorti. Et c'est bien ça le principal. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. À l'heure où je vous parle, les pilotes viennent récupérer leur trophée. Voilà encore de l'argenterie à rapporter à domicile, à Brackley, après un formidable Grand Prix. Champagne pour Hamilton, Rosberg et Ricciardo 3e. Oh, le regard qu'il lui a donné là, je vais te tuer. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour la 3e vidéo sur F1 2016. Je pense continuer sur ce format finalement. Je viens d'y réfléchir un petit peu. Je suis 12e et oui, j'ai eu une pénalité malheureusement. Catastrophe, catastrophe, quel dommage. Je pense continuer sur ce format, faire les essais libres de mon côté, vous proposer les qualifs et la course en intégralité. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur le jeu. Allez, ciao tout le monde. Obtenu un excellent résultat et progresse au classement. C'est tout pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt.